En fait, cela va tout naturellement dans le cadre des activités de la fédération, à savoir organiser, promouvoir déjà notre discipline, donc organiser des manifestations. À l'heure où on parle un peu du professionnalisme un peu partout, je crois qu'il est temps que la fédération de kickboxing puisse également emboîter le pas. Et nous avons des athlètes qui ont été champions d'Afrique amateurs. Et nous les essayons tranquillement en combat professionnel. Et pour cela, il faut des grands combats, il faut des belles rencontres. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'inaugurer, de renouveler un peu l'expérience d'habitude par cette soirée des Titans, cette nuit des Titans, acte 1, ici à Douala, la maison du parti. Alors, on constate quand même qu'il n'y a que trois régions qui sont représentées, le centre littoral et dans une autre mesure aussi l'ouest. Pourquoi ? Parce que les combattants qu'on a choisis viennent déjà de ces régions. Et de deux, nous avons également le Grand Nord. Mais vous savez qu'il est difficile déjà de faire venir un athlète du Grand Nord jusqu'à Yaoundé et de Yaoundé, Douala. Donc, comme c'est l'acte 1, l'acte 2, bien sûr, va se dérouler à Yaoundé avec des combattants qui viennent bien sûr du Grand Nord et également du Sud. Je vous rappelle que ce combat champion. Je prépare pour le prochain combat du Yémen des Sabris et Antibé Zabanim. Vous allez chercher les équipements s'il vous plaît. Musique. Musique.
Oui, assez satisfait parce que c'est un adversaire qui conjure. Je l'ai vu travailler contre quelques-uns de mes gars. Bon, puisque j'encadre des jeunes et je redoutais beaucoup plus son fouetté. C'est pour ça que j'ai travaillé beaucoup le contre, sachant qu'à un moment ou à un autre, c'est la seule arme qu'il avait de valable. Bon, là maintenant, ça a joué contre lui et il s'est perdu en allant au point, au corps à corps, parce que j'ai une bonne boxe quand même et je résiste aux frappes. Donc, je suis assez satisfait de mon travail. Non, un combat de boxe n'est jamais facile. En réalité, il faut respecter ses adversaires pour parvenir à se surpasser. J'ai respecté Wallace et j'ai travaillé sur ses défauts parce que je savais qu'il n'a pas beaucoup d'arguments à faire valoir, excepté se fouetter. Parce que la droite ne pouvait pas l'utiliser, je sors sur l'autre côté. Donc bon, ça a été un beau combat pour moi. Je suis satisfait d'avoir fini avant la limite.